Coucou, salut chez vous. Gaz Collection en direct. Je suis styliste, créateur de mode, promoteur de Gaz Institute, la haute école de couture, du stylisme et d'accessoires assises à Abomey-Calavi, dans le sud du Bénin, bien sûr. Aujourd'hui, nous allons apprendre à réaliser le poêle chemisier. Alors, avant toute chose, je prends la mesure de mon tour du poêle. J'ai vu 20 cm. Donc, comme j'ai 20 cm pour mon tour du poêle, je vais ajouter 4 cm. Les 4 représenteront les croisures. Allons-y. C'est comme je veux, hein. La largeur, c'est mon tour du poignet plus la valeur de croisure. Donc j'ai pris 4 cm pour la valeur de croisure de mon poignet. Donc 20 cm plus 4, ça me donne 24. Maintenant, j'ai plié mon glace-colle en deux. Je prends 24, je divise par 2, donc ça me donne 12 cm. Et je marque les 12 cm. 12, encore. Maintenant, la valeur, même la hauteur de mon poignet, je peux prendre 6 comme 6, 7 comme 8. C'est comme je veux. Mais ici, je prends juste 7 cm. C'est vrai qu'il y a différentes sortes de poignets, chemisier bien sûr. Il y a le carré, le cassé et le bout arrondi. Je vais faire le poignet cassé. Je découpe mon glace-colle parce que j'ai déjà la forme. Eh bien, voilà, c'est mon poignet. Maintenant, je vais coller sur le tissu. Je vous rappelle que cette matière s'appelle glace-colle. Ailleurs, on appelle ça aussi toile collante et autres. La première des choses, je colle mon poignet sur le tissu. J'ai un fer bien chaud. En collant cette matière glace-colle, on ne fait pas comme ça, comme on est en train de repasser un vêtement. On pose le fer à repasser sur le glace-colle et la vapeur même du fer rentre pour pouvoir coller le glace-colle sur le tissu. Allez, voilà mon glace-colle collé sur le tissu. Maintenant, je vais plier la tête de mon poignet. D'abord, je découpe. Je prends la dimension voulue. Ici, moi j'ai pris 1 cm pour la tête de mon poignet. J'allume la machine et paf.
Ensuite, je dispose mon poignet sur la doublure et je vais plier la doublure comme ceci. Je taille les bords. Et j'essaie de coulisser mon poignet. Après cela, je repasse mon poignet et je passe ma surpiqûre sur le poignet. J'ai laissé environ 1 cm avant de passer la piqûre. Voilà, mon poignet est fini. Merci à chacun de vous. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne Gaz Collection. À très très bientôt.